nous prenons pile courage pour nous annoncer chanteur Mika Ben et Moui. Nous connaissons pour dire Karimi te gen un grand comeback qui t'a fait en France. Et mais pendant Mika Ben te sous fin performé pendant la descente stage là, et ben li te fait un arrêt cardiaque. Donc il était tombé. Il a fait plus que 30 minutes à Bali massage. Il était obligé évacuer. En fait, il était obligé demander toute foule là pour y quitter salle là parce qu'il était obligé camper concert là. Ok. Mais après un pile médecin qui vient obligé font façon pour aussi au ta faire l'opération directement sous stage là. Mais malgré ça, Mika Ben pas arrivé. Et survit. Donc, mauvaise nouvelle pour HMILA. Donc, nous allons essayer pour nous, si nous avons fait quelques contacts qui pour ta informer nous. Mais malheureusement, les gens que nous gagnons en fait en France, nous pas même qu'à répondre au téléphone. Et tellement pour dire yo sous stress. Donc information c'est à titre de rappel donc Mika Ben nous connaît pour dire qu'il était participé dans concert grand retour Karimi donc qui était fait dans Accor Arena donc Mika Ben pral tomber sous scène là il pral victime de un arrêt cardiaque donc malgré tout massage ben malheureusement Mika Ben pas arrivé et survivre. Donc, mauvaise nouvelle pour Etchemaela. Donc, Mika Ben mouri. Rete sous méga, n'a pas vini avec plus de détails. Et grand pile moun kap écrit nous, un pile moun qui besoin confirmation. Oui, effectivement, Mika Ben mouri. Et là, nous obligé changer programmation. Grand pile, un pile émotion. Et même dans voix que nous avons remarqué ça parce que moi pas gagné longtemps que moi parlé avec Mika. Il pas gagné une semaine depuis que moi parlé avec lui. Ok, donc là, nous allons essayer pour nous voir si nous avons partagé avec vous mais quelques détails que nous pral chercher bien sûr mais gens que nous connaissons déjà Mika Ben c'est pour génération ça et Mika Ben c'est un chanteur OK n'ta cap dit qui gagnait qui gagne en pile talent OK donc d'autant plus monsieur Sonnec pour dire qui écrit monsieur tout Sonnec qui composait qui fait en pile arrangement et qui participait sous en pile projet donc si nous songer il y a un premier projet qui pral mettre Mika Ben au devant de la scène donc c'est musique 24 décembre que il était pral sorti dans occasion concours chanter Noël pour Télémax donc c'est premier c'est une première musique qui va vraiment envahir et tout pays hein, si nous songeons donc qui vérité presque on classique OK mais malheureusement et malgré l'y participer sous un pile projet parce que là nous avons parlé de polyvalence Mika Ben d'ailleurs vous dites Mika Ben que nous toujours dit et à côté de composer que le composer donc l'y écrit bien l'y produit bien et c'est une artiste pour dire qui très à l'aise pour lui flow sous n'importe musique OK malgré que nous n'en la mort mais nous obligé faut vivre en pile belle musique Mika Ben soit tu participer là d'ailleurs OK ou bien tu chanter ou bien tu composer donc mais ça c'est une belle musique que Mika Ben moi que tu sous une bien sûr qui était sur un album personnel artiste là donc son musique qui est Sim te Genzel n'attendez les pina vini émission tout à fait spéciale un hommage à Mika Ben donc qui allait quitter nous très jeune et gagné Luxon qui c'est un confrère donc lui même qui tweet il dit qui mauvaise nouvelle ça et gagné Franz Duval qui tweet, qui dit c'est fini, le décès de Mika Ben est acté.
OK, mais gagné bon, pratiquement ça c'est en fait c'est Karel Ped qui c'est une confrère m'a dit qui annonçait nouvelle là avant. Donc dans l'heure il était fait tweet par là et il était minuit 10 et Paris bien sûr. Donc il dit tweet par là dit dimanche 16 octobre 2022 Michael Benjamin est mort suite à un arrêt cardiaque tout de suite après sa prestation au concert de Karimi à l'Accor Arena, Paris. Michael Ben est l'un des artistes les plus talentueux de sa génération. Ok, ça c'est pour Michael Ben. Ok, gagné Huggins, confrère, qui dit, et Mika Ben a décédé. Ok, gagné Billy Live Show, qui dit, qu'est nous perdu Mika. Ok, donc ça c'est dernier tweet, Mika Ben, non, que l'était fait avant que l'Ital joue avec monsieur. Ok. Et bon il pour nous donc parce que il pas de surprise parce que il était annoncé que il y a dans concert là, mais ça c'est dernier tweet que Mika Ben t'a fait avant concert là pour te souhaiter monsieur bonne chance. C'est OK, mais bon il pour nous, il dit bonne chance à mes grands frères pour ce soir. OK, voulais pas dire tweet là, il dit bonne chance à mes grands pour ce soir, merci d'avoir ouvert la voie pour nous autres qui vous suivons. Nous vous aimons, Haïti vous aime beaucoup, que l'amour et la lumière vous accompagnent durant le concert et où des milliers de fans seront en harmonie parfaite avec vous. OK, ça c'est dernier tweet Mika Ben t'es fait. OK, pour l'été souhaiter monsieur bonne chance. Voilà que l'été là tout. OK, gain Roberto Martino et qui dit no Mika avec emoji en pile tristesse. Donc ça c'est Roberto Martino c'est Roberto Martino Tivice qui OK, ça c'est Roberto Martino Tivice qui abaille et souhaitait Mika Ben pas condoléances, mais la partager émotion de nouvelles ça. Les nous connaît pour dire Mika Ben était fait un featuring avec Kitty Vice, pas un seul, ok, plusieurs musiques. Donc on a continué les réactions et personnalités qui dans HMI là sous mes Tafa chanteuse malheureusement qui partagé un emoji et bien sûr un emoji qu'elle a déchiré, donc gagné en pile, gagné le roi, confrère, et qui écrit en anglais, I'm shocking, donc ça signifie que li choqué, gagné plusieurs autres tweets et cap vini, mais de temps en temps, gagné Brad le missionnaire, monsieur c'est un rappeur qui fait en pile recherche dans cause rap, donc il écrit sur Twitter, bon traversé Mika Ben. OK, donc qui est-ce qu'il a encore? Bon, là m'a regardé pour dire dernière vidéo Accor Arena chez Samuel, ça triste en pile. Personne moun pa jam connaît qui Jean journée a ti pral fini. Donc ça c'est dernière vidéo Mika partagé côté là le fait check, personne moun pa te connaît. Personne moun pa te connaît. Et si c'est comme ça, malheureusement, journée t'es pral fin. Donc n'a continué avec séance hommage parce que ça c'est bien mérité. OK, n'a parlé de Mika Ben, Jean que nous dit qui c'est Youn n'a dit et chanteur qui était plus prolifique dans génération parlant et qui gagnait en polyvalence enragée tout. Donc c'est son bagage extraordinaire et n'a pas rappelé c'est un gros chanteur et gros musicien qui passait et dans là qui relait Lionel Benjamin. Donc a senti ça tout émotion a traversé dans voix tout. OK, donc on nous quitter quitter nous temps de musique ça c'est une l'autre musique qui était pas le marché en pile Mika pile monde et en pile monde pas gagné ou gagne l'impression que mon yo pas gagné assez force OK pour yo tweet mon yo pas écrit message OK
tweet baki populaire à peine fait là, monsieur écrit OMG, ça signifie Oh my God. Donc pas oublier Mika Ben et c'est un artiste pour dire à côté de en fait bon à côté de tout ça tout dit là, monsieur c'est Unamoun qui fait un pile fit avec un pile artiste. Donc ça c'est un bagage extraordinaire tellement Mika Ben et game musique, ok, gagner mais qui est-ce qu'il a encore Marcus Cola, ok, qui pral le partager. Donc n'a dit tout le monde qui sur Twitter yo, donc nous gagne une émission spéciale que nous avons fait là sous Mika. Donc Facebook et make sure que si vous gon message que ou a quitté pour Mika Ben et pour famille Mika Ben, eh ben ou a fait tweet là et puis ou a tag nous là-dedans de façon nous-mêmes pour nous faire message là passer pour nous. On est Radio Mega, si on radio comme ça. Donc tout message, tout le monde est important pour nous. OK, bam quitter nos fin et temps de musique là et puis pas oublier ou sur Radio Mega Go Radio. Donc un pile message à venir je nous pas oublier mais c'est pas seulement sur Twitter ou qu'a voyer message là tout et sur WhatsApp 34 30 12 57 et ou pas besoin passer voyer message vocal parce que nous pas gain passer message vocal yo mais et n'importe message que ou souhaiter et partager sur radio, aucun problème, n'a fait le passer pour vous. Donc ça, c'est extrêmement important. Et ok, ça, c'est extrêmement important. Et ok, ok, bon, oui, d'accord. Ok, donc, d'accord. Ok, ça c'est Baby Amissio. Donc ça c'est message pas. Et oui, ça c'est message pas Jicom Ralph et puis gagné Jabi qui c'est chanteur Wok Fam. Et ben monsieur a peine tweet là, il dit dem kem ap fun en D. Donc gagné Kalib, et ben oui, Kalib est rappeur, et ben monsieur tweet on emoji et côté que il mettait côté que li saisi, ok, emoji en montrer que saisi, donc il pas dit rien encore. Chaque me dit là, tout le monde sous choc par rapport avec ça. Donc il n'a pas continué, faut partager avec vous bien sûr, mais tout le monde peut dire qu'il a qui c'est personnalité, qui c'est confrère, qui c'est musicien, donc qu'a exprimé par rapport avec ça qui passé là. OK, par rapport avec ça passé parce que là un pile monde saisi de ça passé à maintenant et comme étant donné moi-même moi t'app suivre ça t'app fait là et Jean pour t'a choqué moi il pas choqué parce que gain deux bagages pour nous comprendre dans ça ou dire donc là il fin tomber sous stage là maintenant yo te font façon yo t'a bal massage dans ce premier temps maintenant et il semblait que Ovin font calcul, il dit que si on pral et prend route pour mener l'hôpital et que li kagé tan mouri, OK? Eh ben, yo pral décider pour yo relé on nous dit tout médecin qui pour ta aider que opération en fait. OK? Donc bon, ça c'est pas domaine moi, peut-être ça c'est un médecin qui pour ta dit que opération ça qui ça t'a capillé parce que les nous tant dit pour dit arrêt cardiaque. Et faut me dire vraiment qu'on est un petit détail sur ça mais pas gain détail parce que j'aime me dire ça c'est pas domaine pam mais me connaît pour dire plein monde qui branché là il y a porté précision ça pour moi donc mes informations c'est ça lié donc yo transformé. OK, donc ça veut dire comme vous disiez la France yo fait tout moyen possible pour la vie monsieur t'a sauvé yo transformé stage là en une sale opération de façon pour yo taka gain temps sauver la vie monsieur mais malheureusement et Mika Ben pas arrivé survivre donc gros coup je comme dit là gros coup pour musique haïtienne là les nous connaît qui ça Mika Ben représenter de par talent li de par popularité li et gens que et personne moun pata jamais attendre que journée te pral passer comme ça. Donc hier de coup moi gagné un tweet que m'était fait par contre ici prémonition bien pressentiment mais le fin faire en pile monde juste à poser une question qui ça qui pral passer sur Twitter demain mais très honnêtement m pas de dire nous rien mais bizarrement Twitter enflammé jodi par rapport avec l'amour Mika Ben. Donc n'a pas tande femme ça mauvais Karimi featuring Mika Ben.